trouvez que votre batterie est un peu faible, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer comment vérifier que votre batterie se recharge correctement. Voici une Polsmart de 2006. Quoi de mieux qu'une sport classique pour parler charge-batterie, n'est-ce pas? La batterie se trouve sous le réservoir, sous le corps de sel, ici exactement. Prenez un multimètre, positionnez-le en voltmètre sur 20 volts en courant continu. Ma pointe noire sur ma cause de batterie négative, ma pointe rouge sur ma cause de batterie positive. Clé de contact sur off, j'ai une tension de 12,98 volts. Tension normale pour une batterie neuve. Clé de contact sur ON, j'ai une variation de tension qui correspond à la consommation normale de la moto, phare, etc. Moteur démarré au ralenti, à chaud. J'ai toujours une variation de tension, mais un peu basse, j'ai un problème. On monte le régime de la moto jusqu'à 3000 tours minute environ. La batterie ne passe pas entre 13,5 volts et 14,5 volts. Plage de recharge de la batterie. Ici, ce sera mon régulateur qui ne fonctionne pas. Je change mon régulateur et au ralenti, j'ai déjà une tension plus élevée qu'avec mon régulateur HS. Ma tension de charge, je passe bien au-dessus de 13,5 lorsque je monte mon régime à 3000 tours minute environ. Et je ne dépasse pas les 14,5. C'est bon, ça fonctionne. Une batterie qui se recharge correctement est entre 13,5 volts et 14,5 volts à environ 3000 tours minute. Si elle ne se recharge pas du tout, vous pouvez avoir un problème soit de fusible 30 ou 40 ampères appelé fusible de protection de régulateur. Vous pouvez aussi avoir un problème de régulateur ou même un problème d'alternateur. Si votre batterie se recharge au-dessus de 14,5 volts, vous avez un problème de régulateur. Point final. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à suivre mes pages Facebook, Instagram, bien sûr mon blog et ma chaîne du 4 de iCarène. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.